Allez, un dernier petit déballage. Deux dernières minutes pour la journée. Et vous en aurez encore droit à un autre. Allez. Alors, comment ça s'ouvre? En tout cas, vous avez vu, il est super bien protégé. Lui, il pouvait rien lui arriver, il est bien protégé. Donc, on voit un petit Max écrit dessus. Donc, c'est pas le VK World X5 Max, parce que bon, j'ai pas eu de chance. En ce moment, j'ai pas de chance. Vous allez voir dans les tests, j'ai pas de chance avec les téléphones. Des petits soucis avec. Je reçois les téléphones défectueux. Du coup, ben, j'ouvre des litiges AliExpress et voilà. Donc, oula, ah, franchement, cette boîte, je vais la garder. Regardez un peu. Ah, c'est pas de la bombe, ça? Ça, je vais le garder. Ça, quand j'enverrai un téléphone, c'est vraiment le top. S'il pouvait m'en envoyer déjà tout près. Donc, VK Max, donc VK World. VK World, qu'est-ce qu'il y a? Donc, c'est donc le smartphone, c'est le VK700 Max. Donc, j'avais testé le VK. Je sais plus lequel j'avais testé, le VK700. Oui, VK700, donc ça, c'est le VK700 Max. Donc, 4200 de batterie, donc ça, c'est énorme. Et maintenant, en plus, je peux le vérifier. Donc, on verra ça si c'est vrai. Souvent, les Chinois. Ah là, c'est des batteries chinoises, quoi. 8 et 5. Android 5.1. 3G seulement. Bon, ça, c'est normal. 6580A, processeur. 1 Go de RAM, 8 Go de ROM. Écran IPS 720p. La boîte, elle est assez sympa. Ah, oh, j'ai des cadeaux. Encore un. Dans ces éléments, je vais pouvoir m'éclairer avec ça. Tout. Je vais pouvoir faire... et plein. Voilà, j'ai toujours... Voilà, ça. Encore un autre. Hein. Une petite lampe USB. Un petit... câble OTG, il a été très gentil. On a, hop, on va le sortir, le petit câble de rechargement VK World. On va sortir le téléphone en dernier. C'est pour une fois, on va le faire à l'envers. Hop. On a l'adaptateur VK World 1,5 ampères. Un film de protection. La garantie. Ainsi qu'un petit livre en anglais. Et enfin, le téléphone. Une boîte bien complète. Le téléphone que j'ai pris en blanc. Qui, ma foi, m'a enlevé ça déjà. Comme ça, c'est fait. Hop, il y a un film de protection sur l'écran. Eh, il est beau ce téléphone, hein. Très très beau téléphone, il ressemble un peu, c'est un peu copié sur, vous allez voir que les VK World, ça vous allez rire parce que certains, c'est copié sur, je sais plus comment il s'appelle, le ZTE Axon, vous trouvez pas? N'empêche, voilà, c'est pas, il est pas mal du tout, il est beau. Hein, il y a les petits motifs là, là c'est lisse, là des petits motifs ici, il est ouvert, regardez. Ouais, ça ferme bien, là ici il est ouvert aussi. Il se clipse bien. Il est assez gros, assez compact. Mais ça fait joli, ça. Ça voilà, c'est copié sur l'Axon. On trouve de ces perles en Chine. C'est assez sympa. Mon partenaire teste en ce moment des téléphones avec des marques inconnues que j'ai préféré laisser lui prendre. Et finalement, ça se retrouve que c'est des très bonnes surprises. Le Kion, franchement, super téléphone. Là, le dernier qu'il a eu, il est magnifique aussi. C'est le... je sais plus c'est lequel. Vous allez voir en test bientôt là, un téléphone vraiment magnifique. Il m'a envoyé des photos, franchement, un bijou. 4200 mAh la batterie, double SIM. Les fréquences, donc 2G, 3G, 3G bien sûr, il n'y a toujours pas la 900. Donc on restera sur un H+, mais seulement dans les villes. Donc la campagne, comptez pas dessus. Ouais, il a l'air assez sympa ce téléphone. Donc on verra bien dans le test ce que ça vaut. Très très joli téléphone là-dessus. Ça me plaît bien. Allez, à la prochaine vidéo qui sera le test du Oukitel C3 et il y a des surprises.